Moi, mes frères et sœurs, c'est hallucinant ce qui se passe dans ce monde. Il y a des choses assez hors, assez compliquées que nous allons voir même ici. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant. Cliquez sur la cloche de la TV et soyez prêts. Quoi? La marque du diable. La marque du diable est ici. Mais elle est cachée. Allez-vous la trouver? Si vous l'avez trouvée, c'est très bien. Mais préparez-vous. Parce que cette marque-là va se répandre partout dans le monde à un moment donné. En ce moment, c'est caché, mais bientôt, ça sera visible. Et quand les gens représentent la marque du diable avec les doigts, là, ça devient grave. Nous allons nous préparer à voir des images qui vont même vous étonner. Ensemble, nous allons trouver cette marque-là parce qu'elle sera cachée dans les images que nous allons vous montrer ici. Bonjour à tous et bienvenue. Nous allons soutenir notre bonne. Et sur New York Studio, où nous attend des choses extraordinaires. Est-ce que vous voyez quelque chose? Regardez ça. Waouh! Mais qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas New York Studio qui est ici. C'est extraordinaire. C'est tout simplement quelque chose d'assez étrange. Étrange qu'elle a sous nos yeux. Je dirais en plein écran. Mais qu'est-ce que c'est au juste? Qu'est-ce que c'est? Regardez bien. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, il est écrit ici, la marque cachée. La marque cachée. Mais pourquoi les gens doivent-ils cacher des choses? Quand les gens essaient de cacher un truc, c'est qu'il y a quelque chose de sombre, d'obscur dans la chose. Est-ce que vous voyez? C'est ça. Et cette marque-là est cachée. Ici, vous serez même surpris. Regardez ça. Selon vous, où cette marque est-elle cachée? Cette marque est cachée quelque part. Mais regardez où tout le monde regarde. Là où Nyan Scribble regarde, et même cette femme qui est derrière regarde, elle regarde juste, les deux regardent dans ce sens. Ils regardent dans ce sens. Oh! La marque en question là, qui est cachée, qui nous intéresse ici, est juste là derrière, là où il y a la flèche. Ça veut dire que les gens ne cherchent pas les informations où il faut, ou encore au bon endroit. Ils ne se posent pas de vraies questions pour avoir de vraies réponses. Regardez l'orientation de leurs yeux. Là-bas, tandis que le danger est ici. Regardez ça. Waouh! Et qu'est-ce qu'on voit? On voit un 6 qui est presque caché. Un autre 6 ici. Puis un troisième 6 qui est bien caché. Pourquoi on dit c'est un 6? Parce que c'est la même chose. Ce sont les mêmes écritures. Et on a l'impression que ça a été fait avec du sang. Est-ce que vous voyez? Le tout réuni, ça donne quoi? 666. Et on remarque que ces choses-là sont positionnées dans une fête foraine. À une fête foraine, les gens ont fait tous ces dessins-là. Et sur tous ces dessins-là, il y a tous des symboles occultes que vous n'avez peut-être pas vus, qui sont bien cachés même. Regardez ça. Regardez encore ici. Que voyez-vous là? J'espère que vous voyez. On va voir un peu un zoom. C'est bien caché, hein? Mais à l'intérieur, juste là, dans le noir, juste ici, là, là, on voit un 6, un deuxième 6, et un troisième 6 qui est bien caché. Ah! Ça fait 666. Bien caché, c'était caché, c'est caché quand même, c'est vraiment caché. Et quand on va plus loin, on peut voir que il y a plein d'autres choses qui sont encore cachées derrière cette image que nous allons même découvrir juste là tout de suite. Mes frères et soeurs, soyez prêts. Vous êtes déjà étonné, non? Si vous êtes surpris, vous êtes même dépassé. Cliquez sur j'aime.
si ça vous a appris quelque chose, cliquez sur j'aime. Et l'image, en réalité, c'est cette image. Regardez-la. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ici, juste là en haut, nous espérons que vous voyez, juste là en haut là, on voit clairement 666. C'est comme si on disait que ce 666 était déjà gravé sur leur front ici, direct. Regardez là, juste là au sommet, 666. Et on voit une main qui sort de nulle part pour venir attraper je ne sais qui. Waouh! Et quand on descend encore, on voit plusieurs symboles occultes. Plusieurs symboles occultes. Regardez même ce gars même qui est en bas. C'est qui ce gars-là? C'est qui? Et il ferme un œil et l'ouvre un œil. Si vous voyez cela quelque part, c'est un signe que les gens utilisent le plus souvent pour montrer leur appartenance au diable. C'est la même chose. Ce sont des signes qui sont utilisés par les occultistes ou encore les satanistes. Comme si ça ne suffisait pas, on voit encore de façon très cachée un autre signe qui est ici, même le même œil caché, mais qui est juste là derrière. Le voyez-vous? Le voyez-vous? Il y a un œil qui est ouvert et un œil caché. Waouh! C'est vraiment inquiétant. Et là encore, on voit une autre image d'une créature, on ne sait même pas qui c'est. Mais une chose est sûre, c'est que c'est un démon. C'est un démon. Et ça, c'était gravé carrément là, sur un truc de fête foraine. Les gens vont aller visiter l'endroit, ils vont s'amuser. Juste ça. Selon vous, mes frères et sœurs, pourquoi les gens font des trucs pareils? Pourquoi les gens font-ils des trucs pareils? Nous devons nous poser de vraies questions pour avoir de vraies réponses. C'était bien caché, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. Bien et très bien caché. Et toi, tu ne pourras pas voir cette histoire facilement. Ça n'a pas été facile pour toi-même de voir. Même de déchiffrer cela. Et c'est ce qui va se passer même dans cette image que tu vois encore voir ici. Regarde à l'écran. Regardez ça. Hein? Mais qu'est-ce que c'est? Dans cette image ici, il y a encore la marque cachée. La marque cachée du diable. Elle est ici. Mais tu ne peux pas voir cette marque là facilement. Regardez bien. Je vous donne. Je compte dans quelques secondes pour voir. Voyez-vous? Est-ce que vous avez déjà vu cette marque-là? Eh bien, mes frères et sœurs, il y a du 666 dans ce logo. Et ça a été décrypté par nos collègues. Moi, quand j'observe ça déjà, je vois quelque chose d'assez intriguant. Ici, on voit quoi? Un 6. Ça fait 6. Ça. Laissez le petit trait juste là. Prenez, si vous avez une gomme, prenez une gomme et gommez ce petit trait là. Quand vous gommez ce petit trait là, ça fait un 6. Quand vous gommez également ce petit trait ici, ça fait un autre 6 qui se présente juste là, mais il est renversé. Et un autre 6 qui est encore ici, mais renversé. Le tout réuni, ça fait quoi? Ça fait 666, mais caché. Très caché. Ça veut dire que c'est pour tromper. C'est ce qu'on appelle un message subliminal. Un message caché. Et ça, ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Il y en a tellement. Regardez encore ça. C'est la même chose. C'est la même chose. Et c'est la même méthode
qu'on utilise pour pouvoir découvrir le 666 qui est même caché ici. Quand les ronds se collent, quand ces ronds-là se rencontrent, ils font des coupures. Et ces coupures-là forment ça, la même chose, décrétées de la même ça, de la même chose. Si vous avez compris ça, c'est que vous comprendrez ça aussi. C'est pas compliqué. Vous avez vu, ça fait 666 aussi, mais qui est caché sur des sous, des symboles, de ronds, des trucs. Les gens sont vraiment intelligents. Pour ça, c'est un malin. Tu caches la marque du diable. Pourquoi les gens décident de mettre la marque du diable dans leur logo, tout ça? C'est juste pour montrer l'appartenance au royaume satanique. Ou encore au monde des sorciers. Et quand eux le font, ils disent à tous les sorciers du monde entier qui connaissent ces signes que eux, ils font partie de leur groupe. Et qu'ils aient confiance en eux. Donc si tu veux acheter des choses chez eux, il n'y a pas de souci. C'est la famille. C'est comme si tu as dit, c'est la famille. On fait partie de la même confrérie. Donc, aie confiance, ne t'inquiète pas. Et il le faut pour avoir du succès. Et dans cette image que nous allons vous montrer ici, vous allez voir encore des choses qui vont vous plaire, intéresser. Si vous avez regardé la partie 2, sans doute vous avez déjà compris. Regardez ça. Que voyez-vous? On voit encore une marque. Et on voit également un rond. Regardez bien à chaque fois. Quand on forme le 6, il y a toujours un rond comme ça. Un rond comme ça. Comme ça. Voyez-vous? Comme ça. Et c'est ce rond-là qui est là. Les gens utilisent le 3 pour faire représenter le 666. Et c'est le 666 représenté avec le 3 là qui est tout simplement représenté ici. Ça fait quoi? Ça fait ici 6. Le premier rond, le premier trait rouge qui se présente ici, ça forme 6 ici. Le premier 6, deuxième, puis le troisième 6. Vous voyez, ce n'est pas de la blague. Ce n'est vraiment pas de la blague. Hein. C'est tel-là représenté. Et ça, ça, c'est le 666 que les gens représentent avec leurs doigts. Nous allons chercher cette image-là pour vous la montrer juste là, maintenant, pour que vous puissiez bien voir et bien comprendre ces histoires. Vous allez bien voir et bien comprendre. Regardez ici. Regardez cette image-là. Regardez bien. Regardez ça. Voyez-vous? C'est exactement ça. C'est ce signe. Est-ce que vous avez vu? Il y avait un rond, n'est-ce pas? Il y avait effectivement un rond. Et il y avait également un trait. Le premier trait qui avait sa couleur. Le second, une autre couleur. Le troisième, une autre couleur. Où est la différence? Regardez. Mais où est la différence? Mes frères et sœurs, si vous pensez que c'est de la blague, vous serez même surpris, même étonné de savoir que ces choses sont réelles. Ah! Et ce sont des trucs qui existent, qui sont parmi nous. Et on se pose même pas des questions. Mais pourquoi c'est ici? Pourquoi ça se passe ainsi? Et pourquoi ça se passe comme ça? Peut-être même, est-ce que vous vous êtes un jour posé la question de savoir, mais pourquoi y a-t-il un serpent sur la coupe qui se trouve sur la pharmacie? Bon, regardez ça. Qu'est-ce qu'on voit ici? Oh, on doit nous sommes allés très loin. On doit essayer de reprogrammer les choses. On appuie sur un bouton. Bon, on va essayer de reprogrammer. Donnez-nous quelques secondes. Ok, là c'est fait. Ça va aller. Regardez bien. Ici, on voit ce serpent-là. Comme vous le disiez. Ce serpent-là. Et ce serpent-là, comme sur la coupe, il y a un trait. Et ce serpent-là enroule encore cette coupe-là. Plutôt ce trait-là même ici. Ça enroule ce trait-là. Ah!
sur un logo, qu'est-ce qui est censé représenter un serpent? Et ce serpent est censé représenter qui? Un serpent est censé représenter le diable, Lucifer, Satan. Mais comment se fait-il qu'on positionne ce serpent-là ici comme ça, sur un logo, que nous allons transporter toute notre vie, ou encore durant toute la vie de cette entreprise? Mais ça m'étonne. Même sur pharmacie, vous allez voir, si le logo des pharmacies là, on voit ce serpent là, c'est censé représenter le diable. Et dans le monde du diable là-bas, il y a un démon. Ce démon là, lui, son travail, c'est de soigner tous les démons qui seront blessés lors des guerres spirituelles. Si vous ne savez pas, il y a des guerres spirituelles. Quand un démon ou encore un groupe de démons se lève pour venir vous attaquer, vous les vrais chrétiens, Dieu ne va pas les se laisser faire. Dieu va les attaquer aussi. Et quand ils seront blessés, c'est ce démon-là qui va tout simplement les soigner. Et ce démon s'appelle Ifir. Et c'est ce démon-là qui est représenté. C'est sa marque qui est là, qu'on présente sur la pharmacie. Parce qu'il travaille aussi avec beaucoup de docteurs. Et ça fait qu'il y a certains docteurs, pour pouvoir faire des opérations et avoir du succès, ils sont obligés de boire, ils sont en fait s'enivrer afin de faire certaines opérations. Et vous allez voir que pendant qu'il arrive, le démon lui-même va venir prendre possession de lui et faire l'opération, tout ira bien. Waouh! Là, c'est de la médecine. Mais vous serez surpris quand vous verrez un signe très connu. C'est quoi ce signe-là, mes frères et sœurs? C'est quoi ce signe? Ce signe-là, n'est-ce pas ce signe-là qu'on utilise pour représenter le sida, la lutte contre le sida? Regardez là, regardez bien ce signe. Mais bien sûr que oui. Mais ce qui est étrange, ce que vous ne savez pas, c'est que quand on renverse ce signe et qu'on présente trois signes comme ça et qu'on les associe, le tout réuni, bizarrement, nous avons trouvé, les collègues et nous, nous avons trouvé que ça forme 666. Curieux, n'est-ce pas? Le saviez-vous? Moi, franchement, je ne savais pas. C'est une chose, une information que je découvre avec vous. Mes frères et sœurs, qu'en pensez-vous? Je pense que c'est l'heure de se réveiller et se mettre à chercher. Qui cherche, trouve. Et c'est pas tout. Voici encore un autre logo très simple, mais qui a un signe bien caché dedans. Un 666, trop même caché pour être caché. Trouvez là, mes frères et sœurs, où ça se trouve. Si vous avez bien suivi ce que nous avons monté précédemment, je pense que ce serait très simple pour vous de trouver ce signe. Regardez bien là, regardez très bien. L'avez-vous vu? Regardez bien. On a une, deux, trois. Et encore une, deux, trois. Peut-être ce sont des graines. Mais ce qui est sûr, c'est que la taille de ces graines-là nous montre que, ou encore, cette taille-là forme un 6. Un deuxième 6. Puis un troisième 6 sur le côté. Et de l'autre côté aussi, nous pouvons voir un 6, un troisième, un deuxième 6, puis un troisième 6. Ce qui est étrange, c'est que les trois qui sont juste en haut ici, 1, 2, 3, ça fait 666. Et quand on les sépare de ce qui reste juste en bas, on trouve également 666 avec les trois autres qui sont ici. Ça m'étonne. Ça m'étonne. Mais pourquoi est-ce que c'est caché comme ça? C'est pourtant simple. Quand vous allez voir un truc pareil quelque part, vous ne sourirez jamais. Vous avez du mal à savoir qu'il y a un 6 comme ça. Et c'est réel. Voici encore un truc très simple. Regardez.
très simple. Mais ça forme un 6 avec le doigt ici, un autre 6 avec le deuxième doigt, et un troisième 6. Et ce carrément écrit même ici, dans le décryptage ici, c'est écrit 666. Waouh! Est-ce que vous avez vu ça, les frères et sœurs? Et c'est la même chose qui est transportée même ici. Juste là. Ah! Écoutez bien. C'est la même chose. Mais c'est pourtant bien caché. Et c'est pourtant bien caché. Tu as dit que tu as juste attrapé ça. C'est possible. Toi, si tu veux faire zéro, comment vas-tu représenter le zéro? Toi, mon frère, si tu veux faire zéro, comment tu vas représenter zéro? Zéro se forme bizarrement comme ça. Hmm? Ça se forme comme ça. Mais comment tu as fait comment? Tu as fait comment? Le zéro comme ça. Ça serait un peu difficile, non? Le zéro se représente comme ça. Toi, si tu veux dire à ton, peut-être à un ami ou encore à tu veux répondre à quelqu'un, tu veux lui dire que c'est zéro. Nous sommes à zéro. Zéro. Tu peux faire, c'est pas. Tu peux faire comme ça. C'est possible. Mais ça ne veut pas forcément dire que toi, tu es un sataniste. Mais quand les gens décident de représenter cela régulièrement comme ça, sur les logos un peu partout, eux ils le savent, mais ça ne va pas s'arrêter à là. C'est pourquoi il faut approfondir tes recherches avant de déduire que cette personne adore le diable ou encore est dans l'occultisme. Un jour les gens ont vu les stars, les célébrités en train de chanter. Elles chantent jusqu'à chanter, tout le monde est content. Ah tu es jolie, tu chantes bien. Tout le monde apprécie. Mais à un moment donné là, cette célébrité là, elle représente tous ces signes que nous venons de vous montrer. Les 666 avec la main, toutes ces choses que nous venons de voir ensemble. Ah! Et les gens ont commencé à se poser des questions. Mais pourquoi souvent tu fermes un œil? Pourquoi souvent tu fais comme ceci? On ne comprend pas. Et tous ces fans voulaient à tout prix savoir ce que c'est. Vous savez qu'il y a des fans là, qui réfléchissent. Ils veulent savoir ce que ça signifie. Et ils ont commencé à lui poser ces questions. Même ils ont commencé à faire des recherches eux-mêmes pour chercher à savoir mais pourquoi les stars représentent tant de signes incompréhensibles. Et un jour, elle, quand elle était reçue dans une interview, là-bas, on lui a posé la même question. On dit, mais que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que toi, à chaque fois, tu représentes des symboles, tu fais des choses assez compliquées qu'on ne te comprend pas. Et tous tes fans veulent vraiment savoir pourquoi toi, tu représentes ces symboles bizarres, tu fermes des un œil. Même quand tu danses avec tes danseurs, là, à un moment donné, vous formez un œil avec vos bras ou encore vos mains. Qu'est-ce que c'est? Quand elle a entendu cette femme parler ainsi là, elle dit, ah ok, je vois de ce de quoi tu parles. En fait, tout le monde s'interroge sur ce fait. Et les gens même vont sur internet pour chercher à se renseigner, les gens se documentent à mon sujet. Les gens veulent savoir pourquoi quand je chante, je fais comme ceci. Et à un moment donné, elle se met à rire. Elle rit. Et elle dit franchement, mais je suis une adoratrice du diable. Ouh. Elle a craché ça comme ça sur le visage. Elle a craché ça sur le visage. Elle nous a dit ça. Elle a dit ça comme ça. C'est un enregistrement qu'elle a. Si vous voulez, on fera cette histoire-là sous forme de témoignage puissant pour vous. Mais ça sera Signance Rebond 2, notre deuxième chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas abonné, allez Signance Rebond 2. Juste en cliquant Signance Rebond, vous aurez accès à notre page d'accueil. Vous avez Signance Rebond 2, Signance Rebond 3. Abonnez-vous sur les deux autres chaînes. Ça va venir là-bas. Waouh! Ça m'étonne. Elle dit, mais je suis une adoratrice du diable. De quoi parlez-vous? Je suis une adoratrice du diable. De quoi parlez-vous? Oh, ça veut dire que quand elle dit, je suis une adoratrice du diable, de quoi parlez-vous? C'est comme si nous, ces fans, nous qui étions... Bon, moi, j'étais un fan de la femme aussi. Elle chante tellement bien. Moi, j'étais fan. Mais à cause de Dieu, j'ai abandonné toutes ces choses. Mais nous tous qui étions fans,
C'est comme si elle nous disait, mais vous étiez censé savoir qui est en train de chanter pour vous et qu'est-ce qui est censé représenter tous ces symboles. Tous ces symboles, aucun tous ces signes. Ah! C'est pourquoi nous sommes en train de faire de telles vidéos où on parle des signes sataniques, des symboles cachés, 666 cachés, c'est la troisième partie. Comme vous venez de voir, ce n'est pas encore fini. On va sans doute la quatrième partie. Si vous n'êtes pas encore abonné, si on se voit même ici. Cliquez sur l'abonné, cliquez sur la cloche pour l'activer. Cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications sur la sortie de nos prochaines vidéos. Sinon, c'est bon, il y a tout. Il y a des témoignages puissants, il y a des vidéos réactions, analyses, story time, il y a tout. Et de telles vidéos, sur les vidéos de type décryptage, des news, tout ça. Les informations nouvelles, tout ça, vous devez savoir. Soyez prêts pour la prochaine vidéo, ça va être chaud. Partagez aussi cette vidéo, vous allez apprendre quelque chose à quelqu'un. Qu'est-ce que vous allez plus marquer par ces signes? Regardez ça même, regardez bien ça. C'est un peu caché quand même. Mais Jésus est Seigneur, nous allons arriver. Abonnez-vous, préparez-vous pour la prochaine vidéo. Ça va être chaud.